Bon matin tout le monde, première mission officielle du mois d'août, c'est parti! Et je me sens vraiment à ma place quand je fais ça. Je ne sais pas si ça paraît dans ma face, mais je suis content, je suis excité. Il fait soleil comme d'habitude et vraiment wow! Donc je m'en vais à Montréal ce matin, je m'en vais faire le tri, le classement et le rangement de Lego. Donc, j'imagine que si on a fait appel au Gopia pour ça, c'est qu'il y en a beaucoup parce que j'ai pas posé de questions, mais j'ai hâte de voir ça. Je trouve que ça fait partie du thrill d'émission de pas toujours savoir exactement ce que je m'en vais faire. Et c'est là que je ressens toute ma flexibilité, ma polyvalence, ma débrouillardise. Donc, vraiment très excité pour cette mission. Et je suis persuadé que mon garçon qui vient d'avoir 5 ans et qui en a reçu pour sa fête sera aussi très content de voir les images de papa avec plein de Lego. Donc, je vous présente ça en images et je vous retrouve en conclusion. Merci tout le monde d'être au rendez-vous. Merci de partager le soleil, la belle chaîne de beau. J'espère que vous avez fait des beaux gestes pendant le mois de juillet. Si vous avez la chance, commentez-les, mettez des photos, des exemples et hashtag belle chaîne de beau. Tellement content de vous retrouver. Allez, à tout de suite. Et voilà, première mission du mois accomplie. Ça fait du bien d'être de retour en service. Puis vous voyez, hein, ça n'a pas besoin d'être des choses bébé compliquées que vous n'avez pas le temps de faire ou que vous n'êtes pas capable de faire. Simplement, peut-être des choses que vous n'avez pas le goût de faire toute seule, comme c'était le cas pour Véronique. Elle et sa famille se sont souvent donnés à vouloir ramasser les Lego, mais jamais jusqu'au bout. Il y a les distractions, l'envie de passer à autre chose, tout ça. Mais avec le Gofiable à ses côtés, eh bien, on s'est donné à la tâche et puis on est allé jusqu'au bout de la mission. Alors voilà, c'est vraiment accessible pour tout le monde, pour tous les besoins. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo, ce petit avant-après. Et on se voit vendredi pour une aventure dont je ne connais pas le dénouement parce que je ne l'ai jamais fait, mais je suis persuadé que ça va bien aller. C'est probablement rien de compliqué, c'est juste que c'est nouveau.